appelé pour me dire d'ouvrir les grilles parce qu'il y avait de l'eau sur mon robinet, donc les gens n'ont pas les grilles, il n'est pas l'heure. Et en l'espace de 5 minutes, il y a eu beaucoup de vent, il y a eu des enfants qui se sont mis à courir, on a eu des branches d'arbres partout, le temps était très noir et on a fait rentrer tout le monde à couvert où on a pu et voilà. De sortir, puisque nous étions dans un bâtiment à ce moment-là, la priorité était de sortir et de récupérer les enfants qui étaient encore dehors, puisqu'ils n'avaient pas le temps d'aller sous le préau. J'étais prévenue par un appel du chef d'établissement quelques minutes après le passage de cette mini-tornade. Et donc, j'ai immédiatement alerté le préfet et les services du conseil général. Nous nous rendions tous sur place. J'ai demandé le passage de la commission de sécurité pour avoir un avis averti et savoir ce que nous allions faire pour l'accueil des élèves. Compte tenu de ce que la commission vient de nous dire, donc demain, il n'y aura pas d'accueil d'élèves. Donc, nous allons prévenir les parents déjà par voie téléphonique, par SMS, par toutes les mesures que nous avons à notre disposition. Je crois que les radios et la presse locale nous aideront aussi dans le domaine.